1, 2, 1, 2. C'est bon? Julie, tu me donnes le top? S'il vous plaît, attention, action. Quiconque a vécu sur la côte ouest, en Amérique du Nord, le sait sans doute. Des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs s'envolent tous les ans à la même saison pour parcourir du nord au sud et du sud au nord des distances d'amplitude variable le long de ce plateau continental. L'une de ces espèces est le bruant à gorge blanche. L'automne, le trajet de ces oiseaux les mène de l'Alaska jusqu'au nord du Mexique, d'où ils reviennent chaque printemps. À la différence de la plupart de ses congénères, cette variété de bruant possède la capacité très inhabituelle de pouvoir rester éveillé jusqu'à 7 jours d'affilée en période de migration. Ce comportement saisonnier leur permet de voler ou de naviguer de nuit et de se mettre en quête de nourriture la journée sans prendre de repos. Des chercheurs de différentes universités, en particulier à Madison, dans le Wisconsin, ont bénéficié de financements publics conséquents afin d'étudier l'activité cérébrale de ces volatiles lors de leur longue période de privation de sommeil, dans l'idée d'obtenir des connaissances transférables aux êtres humains. On voudrait des gens capables de se passer de sommeil et de rester productifs et efficaces. Le but, en bref, est de créer un soldat qui ne dorme pas. Ce fut le cas avec l'utilisation généralisée des amphétamines dans la plupart des guerres du XXe siècle et plus récemment avec des médicaments tels que le Provigil. Sauf qu'il ne s'agit plus ici, pour la recherche scientifique, de découvrir des façons de stimuler l'éveil, mais plutôt de réduire le besoin corporel de sommeil. Depuis plus de deux décennies, la logique stratégique de la planification militaire américaine tend à éliminer la part dévolue aux individus vivant dans la chaîne de commandement, du contrôle et de l'exécution. Des milliards ont été dépensés afin de développer des systèmes de ciblage et d'assassinats robotiques ou télécommandés, avec les résultats consternants que l'on sait au Pakistan, en Afghanistan et ailleurs. Malgré les prétentions extravagantes qui fondent ces nouveaux paradigmes stratégiques, et malgré l'insistance que mettent les analystes militaires à déprécier l'agent humain comme étant le maillon faible de ces systèmes opérationnels de pointe, le besoin, pour ces mêmes militaires, de disposer de grandes armées humaines n'est pas prêt de se tarir dans un futur proche. Il était confiné, incapable de s'allonger, dans de petites cabines éclairées par des ampoules à haute intensité, où l'on diffusait de la musique à plein volume. Dans la communauté du renseignement militaire, on se réfère à ces prisons sous l'appellation de site de l'ombre. Ce qui n'empêche pas un des lieux où Al-Qahtani a été détenu d'avoir reçu le nom de code de camp de lumière vive. Ce n'était pas la première fois que la privation de sommeil était utilisée par les Américains ou leurs comparses. D'une certaine manière, trop insister sur ce procédé précis peut prêter à confusion. Car pour Mohamed Al-Qahtani, comme beaucoup d'autres, la privation de sommeil n'était qu'un élément dans le cadre d'un programme plus large de tabassage, d'humiliation, d'immobilisation prolongée et de noyade simulée. Nombre de ces programmes destinés aux prisonniers extrajudiciaires ont été spécialement conçus par des psychologues œuvrant au sein d'équipes de consultants en sciences du comportement, afin d'exploiter ce qu'ils avaient repéré comme étant des vulnérabilités émotionnelles et physiques individuelles. Il est important de souligner que le traitement des prisonniers dits de grand intérêt à Guantanamo et ailleurs combine des forces explicites de torture avec un contrôle total de l'expérience sensorielle et perceptive des sujets. Les détenus sont contraints de vivre dans des cellules sans fenêtres, constamment éclairées, forcés de porter des obturateurs sur les yeux et les oreilles qui bloquent la lumière et le son dès qu'ils sont escortés hors de leurs cellules, de manière à leur interdire toute conscience de la nuit et du jour ou la perception du moindre stimulus susceptible de leur donner des indications sur l'endroit où ils se trouvent. Ce régime de privation sensorielle s'étend parfois même jusqu'au contact quotidien entre les prisonniers et leurs geôliers. Ces derniers revêtant une cuirasse complète, gantée et casqués avec des visières en plexiglas de type miroir sans teint, de manière à priver le prisonnier de tout rapport visible avec un visage humain, ne fût-ce qu'avec un centimètre carré de peau laissée à l'air libre. Ce sont là des techniques et des procédés destinés à plonger les sujets dans des états de docilité abjecte
Et l'une des manières de le faire consiste à fabriquer un monde qui exclut radicalement la moindre possibilité de soins, de protection ou de consolation. Cette constellation particulière d'événements récents peut nous servir de prisme pour saisir certains des effets de la mondialisation néolibérale et à plus long terme, la modernisation occidentale. Sans conférer à ce groupe de faits une fonction explicative privilégiée, il s'agit de les prendre au point de départ afin de mieux saisir certains... L'automatisation qui allait se substituer en douceur au travail humain, la conquête spatiale, l'éradication du crime et de la maladie. Le but stratégique le plus large consiste aussi en partie en Afghanistan, dans un contexte de culture tribale, à faire voler en éclats les temps collectivement partagés du sommeil et du repos. Les années 1990 ont été marquées par une profonde mutation des modèles d'intégration verticale, avec des exemples bien connus des innovations de Microsoft ou de Google. Ou de mise en conformité effective avec son format... Avec son format apodictique. Une logique de déplacement ou d'obsolescence se couple à un phénomène d'élargissement et de diversification des processus et des flux auxquels un individu se trouve effectivement lié. Aucun endroit ni aucune situation où l'on puisse pas acheter, consommer ou exploiter des ressources en ligne, le non-temps 24/7 fait une incursion acharnée dans tous les aspects de la vie, sociale ou personnelle. Loin d'apparaître comme quelque chose de regrettable, se présente plutôt comme le signe tangible de notre accès aux flux et aux options les plus demandées. Boltanski et c'est Chiappello ou Chiappello ? Chiappello. Boltanski et Chiappello. Je trouve que dans ce texte-là qu'on est en train de lire, une grande partie sur cette question d'interface, c'est-à-dire comment la machine, comment elles arrivent à se connecter avec nous et nous avec elles, à travers des besoins et des gestes et des perceptions les plus fondamentaux. C'est le truc de la machine qui est tellement bien copiée que quand elle émet un truc très très humain, il y a un nom à ce truc-là, je sais plus comment c'est. Non, ils avaient créé des machines à l'armée là, comme des sortes de gros, des sortes de chevaux là qui marchent. Et en fait, il fallait pas que ces machines tombent. Donc du coup, on les voit glisser comme ça sur la glace. Et ce mouvement très, enfin plus animal d'ailleurs qu'humain, est tellement réaliste que ça nous fait basculer dans un petit moment d'horreur comme ça de trouble. Et ça, ce trouble-là porte un nom. Je sais plus comment c'est. Certains robots japonais qui ont des expressions de visage. Quand ils en arrivent à ça, vraiment. Quand on arrive à capter une mimique. Nous, on a un petit instant de flip. Je pensais à la technologie au point où je crois qu'il y a des gens qui se marient à des avatars aussi, déjà. Peut-être bien. Même pas des avatars, en fait, genre des robots, mais genre juste des caractères de dessin animé. Ah oui, non, mais ils n'avaient pas accepté aussi le mariage avec des espèces de... Les poupées, là. De poupées, ouais. Je crois aussi. De poupées gonflées. Mais... c'est la déprime, quoi. On utilise couramment des écrans ou d'autres dispositifs d'affichage pour retracer, par exemple, le mouvement des yeux que l'on présente sous la forme de séquences ou de flux d'informations graphiques faisant apparaître les différentes durées et points de fixation de l'attention visuelle. Il y a un interdit effectif qui porte non seulement sur la critique de la consommation technologique obligatoire, mais aussi sur toute réflexion sur la manière dont les ressources et les équipements techniques existants pourraient être déployés. La tâche d'opérer ces rappels à l'ordre revient à cette classe d'universitaires et de critiques que Paul Nizam appelait les chiens de garde. Aujourd'hui, ces chiens de garde sont ces intellectuels et ces auteurs technophiles soucieux d'attirer sur eux l'attention médiatique, avides de récompenses et de proximité avec les hommes de pouvoir. Au cours des deux dernières décennies, ce sont elles qui se sont rendues, selon lui, responsables d'une synchronisation de masse. Un objet déterminé, un film, une émission de télévision ou un morceau de musique, dont la réception de masse semble être la préoccupation principale des Stigler. Que la refonte de l'attention dans des opérations et des réponses répétitives qui se surimposent en permanence à des actes de vision ou d'écoute. Communicationnels et médiatiques actuels sont également présents sur d'autres marchés mondiaux en expansion, comme ceux contrôlés par les firmes pharmaceutiques. On assiste là aussi à une accélération correspondante du rythme de mise sur le
du rythme de mise sur le marché de nouveaux produits et de leur soi-disant mise à jour. Était recommandé par la surveillance de nos vies électroniques et nous laissons ensuite volontairement un avis à la destination des autres sur ce que nous avons acheté. Nous sommes ce sujet accommodant qui se soumet à toutes sortes d'intrusions biométriques et de surveillance qui intègrent de la nourriture et de l'eau toxique et qui vit à proximité des réacteurs nucléaires sans s'en plaindre. Un bon indice dans cette abdication absolue de la responsabilité de vivre peut aussi se lire dans les titres de ces best-sellers qui nous indiquent avec une sinistre fatalité les 1000 films que nous devons voir avant de mourir, les 100 destinations touristiques que nous devons visiter avant de mourir, les 500 livres que nous devons lire avant de mourir. En réalité, Marx mettait les temporalités 24/7 au fondement des mécanismes du capital. Il comprenait que ces processus n'étaient pas seulement temporels, mais également métaphoriques. C'est dans cette continuité constante que s'opère le passage libre et fluide de la valeur d'une forme dans l'autre. La valeur était autrement dit dans un état de transformation infinie, apparaissant tantôt comme argent, tantôt comme marchandise, tantôt comme valeur d'échange, tantôt comme valeur d'usage. Ces réseaux opéraient selon des principes qui sont restés en vigueur jusqu'à aujourd'hui, au terme de toute une série de matérialisations technologiques. Il ne faut pas se les représenter seulement comme des conduits neutres à transmission accélérée, mais aussi comme les instruments d'une alchimie propre à engendrer les abstractions constitutives d'un capitalisme immanquablement destiné à devenir global. Non seulement les biens manufacturés, mais aussi les langues, les images et les formes d'échange social durent être refondus afin d'assurer leur compatibilité avec ces systèmes. Cela n'eut rien d'une transmutation instantanée, à chaque mise à jour et à chaque... Attends, on arrête là pour discuter un peu. Éteignons la lumière. Ah oui. Mais je pense qu'avant ça, enfin, il décrit un espace qui est plutôt un espace de résistance. Quel est cet espace-là? Il est décrit comme un espace qui serait en dehors d'un espace surveillé. Mm-hmm. En tout cas, jusqu'à... Le quotidien. Oui, la vie quotidienne. Ouais. Mais c'est ce que disait Elena, du coup, ce qui n'est pas... Mais du coup, pour lui, c'est-à-dire que tout est carcéral. Mais là, enfin, moi, c'est ce mot carcéral qui m'a un peu perturbé. C'est pas vraiment le mot institutionnalisé qui m'a troublé. Mm-hmm. C'est le mot carcéral et pas seulement dans les prisons. C'est-à-dire que tout serait, bon j'exagère peut-être, hein, mais en exagérant justement, tout serait forme de prison. Sauf le quotidien. Dans cette impasse, Dewey entrevoyait cependant, avec l'optimisme qui le caractérisait, une porte de sortie. Il insistait sur le fait que les habits neufs de l'habitude moderne pouvaient conduire à son propre dépassement. Toutes ces formes éminemment décourageante, était devenue une des tâches entrepreneuriales centrales pour toutes les économies développées à la surface de la planète. De même que l'éclairage nocturne des usines d'Orquite a préfiguré l'alignement à venir des temporalités vécues sur les besoins du marché, l'une des nombreuses choses que la télévision inventait résidait dans le fait d'imposer des comportements homogènes et habituels à des sphères de vie qui avaient auparavant étaient soumises à des formes moins directes de contrôle. On attribua plutôt un caractère de normalité et de cohérence à ce nouveau monde télévisuel contemplé en commun, dans lequel n'importe quoi pouvait être associé à n'importe quoi d'autre. Entre les systèmes globaux et les vies locales, circonscrites des individus furent rapidement naturalisées. Même si la mire qui envahissait les écrans après minuit peut rétrospectivement apparaître comme une pierre d'attente pour l'inévitable cycle de retransmission 24/7 qui n'allait pas tarder à se mettre en place. La question de savoir si cette phase coïncidait avec l'hégémonie américaine mondiale d'après-guerre et avec le cadre monopolistique
de l'industrie médiatique a donné à main de discussion. Cette notion d'audience, c'est quoi en fait? C'est quoi une audience? Un regardeur, quelqu'un qui... T'as dit quoi? J'allais dire, l'audience, c'est ça, c'est en dehors de l'humain qui est assis devant sa télé, c'est des parts de marché parce que tu peux laisser la télé allumée, faire autre chose, t'es pas devant à regarder... Mais qu'est-ce qui serait la différence, peut-être plus tard, entre la masse, l'audience et peut-être le public ou l'espace public? J'appelle un ami. D'abord par la télévision et ensuite L'audience, ça serait le public vu sous l'angle de la rentabilité. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Enfin, une dernière question, en fait, il parle de l'interactivité comme une sorte de réponse de la société contemporaine où on a l'impression de pouvoir... De différentes sortes. L'objectivation des rêves, et du coup, ça veut dire de sa commercialisation, en tout cas de son effet de commerce. Alors soit le commerce des données, comme on a pu le lire là, le coup de la police qui vient traquer jusque dans les rêves. Dans ce sens-là, ou est-ce que du coup ça permettrait au marketing, au monde du marketing d'en savoir plus sur nos envies et de nous déposséder de ça. Effectivement, après, si on est dépossédé jusqu'au rêve, de l'ordre du privé, est-ce qu'il nous reste... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas, non? Avec la psychanalyse, on archive déjà nos rêves, on essaie déjà de les... Oui, mais t'as pas encore quelque chose, tu vois, qui le fait pour toi matériellement, je veux dire... Oui, parce que normalement, ça reste assez fragmentaire, on se souvient jamais complètement... De... Tu peux pas te connecter à une base de données qui va te dire, alors cette nuit, voici votre rêve. Du début jusqu'à la fin, exactement, tu vois, genre ça n'existe pas. Et c'est ta subjectivité qui revient pour raconter ce rêve. Oui, ouais. Mais par exemple, la psychanalyse et le marketing, c'est quand même, tu vois... Oui, là, pour le coup, ça serait plus coaching et développement personnel. Ah, pour moi, pour prendre moins d'antidépresseurs, il faut qu'on sache de quoi vous rêvez la nuit. D'ailleurs, je pense que la révélation... Avec la psychanalyse, quand même. Oui, non, mais bien sûr, il y a déjà un rapport marchand, bien évidemment, mais là, du coup, ça serait vraiment genre... dans le sens où le rêve qui n'est pas censé être matériel le deviendrait et on en serait dépossédé, quoi. Mais il y a un truc aussi dans la psychanalyse, j'ai l'impression que c'est que la manière d'évoquer un rêve serait d'ailleurs beaucoup plus représentative de nous que la capture d'un rêve réel. Enfin, je veux dire, on pourrait très bien capturer un rêve de nous, mais sans qu'on ait du coup à le traduire en face de la personne. Et mais j'ai l'impression que la manière dont on a de se souvenir de quelque part d'un rêve, des choses comme ça, et la manière de l'évoquer sont beaucoup plus révélateurs de notre personnalité. Dans sa répétition manifeste, le sommeil apparaît comme un vestige irréductible du quotidien. L'une des multiples raisons pour lesquelles les cultures humaines ont si longtemps associé le sommeil à la mort tient à ce que nous deux attestent de la continuité du monde en notre absence. L'absence purement temporaire du dormeur est cependant marquée par une sortie de lien avec le futur, avec la possibilité d'un recommencement et donc d'une liberté. C'est dans cet intervalle que les aperçus d'une vie non vécue, d'une vie remise à plus tard, peuvent fugacement se mettre à effleurer la conscience. L'espoir nocturne que l'on puisse entrer dans un état de sommeil profond jusqu'à y perdre connaissance est en même temps l'anticipation d'un réveil qui pourrait comporter quelque chose d'imprévu. En Europe, après 1815, à travers plusieurs décennies de contre-révolution, de renversement et de déraillement de l'espoir, les artistes et des poètes eurent l'intention que le sommeil ne représentait pas forcément une évasion ou une fuite hors de l'histoire. Shelley et Courbet, par exemple, comprirent tous deux que le rêve était une autre forme de temps historique,
que son retrait et sa passivité apparente englobaient aussi l'agitation et l'inquiétude essentielles pour la naissance d'un futur plus juste et plus égalitaire. À présent, au XXIe siècle, l'inquiétude du sommeil entretient une relation plus troublante au futur. Situé quelque part sur la frontière entre le social et le naturel, le sommeil assure la présence de dans le monde des motifs sinusoïdaux et cycliques qui sont essentiels à la vie et incompatibles avec le capitalisme. Il faut faire le lien entre la persistance anormale du sommeil et la destruction en cours des conditions mêmes de la vie sur notre planète. Parce que le capitalisme est incapable de se limiter lui-même, la notion de préservation ou de conservation est une impossibilité systémique. Dans un tel contexte, la restauration de l'inertie du sommeil fait obstacle à tous les processus modèles d'accumulation, de financiation et de gaspillage qui ont dévasté tout ce qui avait autrefois pu avoir le statut de bien commun. Il n'y a plus en réalité aujourd'hui qu'un seul rêve qui dépasse tous les autres, celui d'un monde partagé dont le destin ne soit pas fatal. Un monde sans milliardaires, un monde qui a un autre avenir que celui de la barbarie ou du post-humain, et donc lequel l'histoire puisse prendre une autre tournure que les scénarios catastrophes de cauchemars réifiés. Il se peut, dans toutes sortes d'endroits, dans des états très divers, y compris ceux de la rêverie ou le rêve éveillé, qu'imaginer un futur sans capitalisme commence par des rêves de sommeil. On y verrait le sommeil comme une interruption radicale, comme un refus du poids implacable de notre pression globalisée, comme un sommeil qui, au niveau le plus prosaïque de notre expérience quotidienne, tiendrait lieu de répétition générale pour esquisser ce à quoi des renouvellements et des recommencements plus significatifs pourraient bien ressembler. Capitalisme. Bon, on peut aller danser.